c'est Jean-Marie Tuto aujourd'hui, 5 machin. Viens, on va bouffer la babac. Attends, regardez les Algériens comment ils sont nerveux là. Eh, exemple d'Algérien. Depuis tout à l'heure, tu te plains, t'as envie de bouffer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, tu fais c'est vrai, blocs, c'est vrai. Tu fais tous les blocs que tu veux. Allez. Bref, les gars, là aujourd'hui, on vient manger avec Kamel. Jean-Marie Tuto. Célia. Et on est venu à La Brise de Mer, je vais vous montrer, c'est super sympa. Si un jour vous venez à Béja, venez manger ici. Le soir, c'est trop cool. À midi, c'est trop cool. Enfin. J'aime trop ici. Il y a plein de restos, hyper sympa. Ok, on y go parce que sinon Kamel il va me frapper. Je vais t'insulter tes morts. Voilà, il va m'insulter mes morts. Il est pas violent, il est juste très nerveux. Souvent ici manger des crêpes. C'est oui là-bas au fond. Et du coup les amis, voici hop, La Brise de Mer, très très sympa. Je pense que vous avez déjà vu ça dans mes anciens vlogs. Dans tous les cas, guys, restez connectés parce qu'il y aura 3 gros vlogs en Algérie. Je vais aller à Alger. Et en plus ça m'a zoomé ma gueule. Du coup je disais les gars, il y aura 3 gros vlogs. Je vais en faire un à Béjaïa, un à Alger et un à Oran. Donc restez connectés. À Béjaïa, je vais pas vlogger plein de trucs. Je vais essayer de vous montrer l'essentiel. Mais à Alger et à Oran. Kamel, pourquoi tu viens pas? Et chauffez-le, chauffez-le. Je travaille, parce que je travaille. Parce qu'il travaille. Parce que et il travaille. A dit, Nourène, tu connais pas ce mot. Il me faut la khoubza. Parce que Nourène, elle a pas compris le principe de bosser. Tout à l'heure, on est parti voir un pote. J'ai fait, mais il fait quoi? Il me dit, il bosse. Je lui mais pourquoi? Ça sert à quoi? Pourquoi il bosse? Jusqu'à 20h. Ah, bizarre, hein? Ah, c'est chelou. Pas 2 jours avant, eh ben, tu te démerdes. On a fini de manger et là on est venu du coup au Cap Carbon. Je trouve que c'est l'un des plus beaux endroits à Béjaïa. Pour moi c'est pas le plus beau. Le plus beau, vous le verrez demain dans mon vlog. Enfin vous avez vu, vous allez voir dans quelques minutes, mais moi j'irai demain. Donc là on y go, vous allez voir, il y a plein de singes et tout, c'est trop mimes. Bon les gars, j'ai confié une mission à Kamel, c'est-à-dire me prendre tout ce qu'il trouve en photo et en vidéo. Photographe de l'ESM. Exactement, regardez là. Il est investi hein. Je vais donner mon iPhone. Je suis pas rémunéré mais je suis sérieux. Donc là, les stories que vous allez voir sur mon compte Insta, c'est lui qui va les faire. Là, t'étais là, tu sais. T'étais là. J'avais des lunettes aussi. Eh, faut juste pas qu'on rentre en vol. Après, on est bon. Attends. Merci. Chikinger, Konger. Chikinger, Kinger, Konger. Lolé, lolé, lolé. Après 10 000 karaokés en voiture, on est enfin arrivé à destination et on va aller faire du kayak. J'ai très très hâte. Kamel, il voulait pas me lâcher. Il m'a dit non, faut pas que tu partes avant de faire du kayak. Tu dois faire du kayak. Wesh, c'est son activité. Du coup, écoutez, je vais filmer ça. Bon, les gars, finalement, le plan de Kamel n'était pas un plan foireux. C'était un vrai plan. Regardez. On est sur un kayak et c'est trop bien. Très sympathique. Et you. Regardez. Et là, il y a Célia là-bas, on l'attend. Moi, je vais mourir de rire. Hein. Je vais les filmer, c'est sûr, elles vont se retourner. Franchement, les gars, zéro risque, moi. Je suis venue avec Kamel. Kamel, c'est un pro. Et en 2012, je crois, en 2013, on avait fait du pédalo. Et on s'est perdu. L'autre truc, il s'était cassé, etc. Kamel est venu, notre sauveur. En kayak, il est venu nous sauver. Le problème, vous allez chavirer, en fait. Il y avait le courant qui vous emmenait. Mais oui, on allait super loin. Jamais, franchement, mon adolescence en Algérie, c'était trop bien. Franchement, je la changerai pas. Hein. Allez Célia, tu peux y arriver Célia. Célia, vas-y, tu vas y arriver. Ah Célia, t'es très très nulle ma peau. Moi je pars, je me permets de la juger. Alors que moi je fais rien. J'ai même pas de trucs genre. C'est que mec qui fait tout. Comme ça, voilà. Galère longue. Comme ça, droit. Et exact.
Elle est en train de m'insulter en arabe. Là, ça devient sérieux. On va rentrer dans une grotte. Donc, et oh my god, Célia est déjà dedans. C'est pas très bon signe, mais bon, j'ai filmé ça. Célia est là. Bravo Célia. Je suis fière de toi. Ah, moi, je kiffe ma life, les gars. Franchement, venez à Béjaïa City. C'est le bon plan. Moi, j'adore Béjaïa City. C'est trop bien. En ça, donnez-moi, citez-moi une ville meilleure que Béjaïa en Algérie. En termes de nature et tout. Hein. Après le reste. Bon, les gars, là, on est venu explorer. Franchement, regardez, l'eau est transparente. Genre, c'est une dinguerie. Très, très sympa. La dernière fois que j'ai fait du kayak, c'était aux Philippines. Et c'était très. Qu'est-ce qu'il fait, votre pote? Kirby Kemel! Il a failli me tuer, votre pote, c'est un psychopathe. On fout quoi ici? Tu veux que je prenne ta place? Non, tu descends. Pour faire quoi? On va nager. On va nager! Très sympa. Et ayez un camel dans vos vies. Regardez, les deux autres, elles sont toujours bloquées. Synchronisé, bon, en même temps. Allez, à gauche, Célia. Gauche, droite. Enfin, non, gauche, du coup. Droite, gauche, allez. J'ai pas pris ma caméra, je suis avec l'iPhone, donc si le son est pété et que l'image aussi est pétée, je suis désolée. Mais je voulais pas prendre de risque de prendre ma caméra. Franchement, c'est super sympa, l'eau est super chaude, on adore. Attendez, je vais vous montrer les skills des Kamel. Regardez ce monsieur. Kamel, il est toujours dans des problèmes, lui. Ok. Vas-y, vas-y. Oh, le boss Kamel, comme d'hab. Est-ce que je saute? Est-ce que je vais sauter ou pas? Non, je peux pas, moi, les gars. J'ai 25 vidéos à sortir, là. Je ne vais pas sauter. Bon, les gars, on a fini notre petite journée. Très sympathique, je me suis mise devant et Kamel toujours en train de pailler comme d'hab, et je vais faire aussi, il va me filmer. J'en ai déjà fait aux Philippines, je sais pas si vous avez vu mon vlog, très très sympa aussi. Franchement, on a passé une excellente journée. Si un jour vous venez à Béjaïa et que vous voulez faire du paddle dans une plage où il y a Sun Père, ça s'appelle comment Kamel? Vela Trip au Sahel. Vela Trip, ok. Vela Trip au Sahel. À la plage Sahel. Les gars, je suis mort de rire. Pourquoi? Parce que vous savez pas, mais on galère depuis tout à l'heure parce que notre kayak est cassé, ok? Donc regarde, on galère, c'est moi qui galère. Toi, en train de taper des stories. Et moi, depuis tout à l'heure, je suis en story snap comme ça avec ma musique et tout. Miskin Kamel, voilà. Ayez un Kamel dans vos vies. Ayez une balance dans vos vies, en fait. Kamel est balance. Et moi aussi. Libra ouais, gang, you know. Mais je te jure, hein, tous mes potes sont balance. Là, on fait du surplace depuis tout à l'heure. On fait du surplace à cause de moi. C'est le karma. Bon, les gars, aujourd'hui, journée à la plage. On est à Boulimat. De base, on devait aller à Thaïs, c'est une plage privée. Mais Auréa et tout, ils préfèrent ici. Donc, on est venu ici. Donc, here c'est it bon. Is. Je vais pas trop vlogger vu que bah, y a beaucoup regarde de gens. Regarde la vue là-bas. Donc, je vais vous léguer le strict minimum. Écoutez les gars, là ce vlog c'est le vlog t'as la hesse parce que j'ai oublié ma caméra, enfin j'ai oublié ma caméra. Il y a quand même iPhone 13 Pro donc. Oui, j'ai oublié la. Comment ça s'appelle? J'ai oublié ma carte mémoire. Je peux vous montrer Radia. C'est ma cousine. How are you? Fine. J'ai grandi avec elle. Ouais. Voilà. Célia, tu veux être dans mon vlog? Bonjour. Et là, il y a Célia, ma meilleure amie que vous connaissez sûrement. Vous avez déjà vu dans mes vlogs à l'ancienne en 2018, en 2017. Du coup, voilà, c'est ma meilleure amie depuis 18 ans. Du coup, on a 7 ans. 7-8 ans? Oui, on s'est connu à 7 ans. On s'est connu à 7 ans. Je la connaissais, Auréa et Maïssa, c'était même pas encore né, wesh. Dinguerie, hein? On a Auréa, le H. Mais en fait, il y a deux H dans la famille. C'est qui le vrai? C'est toi ou c'est lui du coup? Moi. C'est toi la vraie? Ouais. Toi, c'est la H. Ouais. La... Monte ton outfit pour la plage. Elle a pas d'outfit. C'est pas l'outfit, c'est la bouée, l'accessoire de plage. Et là, on a une bouée, les gars. Hein. Cette bouée, ma tante, elle a dit. Sika, tu veux être dans mon vlog ou pas? Sika, tu veux être dans mon vlog ou pas? Quel vlog? Quel vlog? Mon vlog, wesh, t'abuses. Wesh. Tu vas être dans mon vlog? Sur YouTube. Attends, mais ça, c'est allé, c'est aux ouais, gens. Ouais, Sika, c'est ma tante préférée. Oh, wesh. Mais Sika, c'est pas à nous, arrête de toucher. Mais vous êtes malade, regarde. Mais c'est pas à nous. Mais regarde, qu'est-ce que vous avez fait? Wesh, il y a le H.
Wesh, le H. Je suis fatigué. Le H, d'habitude, il se lève jamais avant 14h. Et là, vu que je suis venu en Algérie, il s'est levé avant 14h. C'est fait exprès pour toi. Hein. Merci, ma vie. Alors imagine qui tu sais serait venu. Qui tu sais. Vas-y, on peut dire le blaze. Non. Ça commence par un D et ça finit par un E. Axel, dis salut, Axel. Wesh, il a des crocs à son âge. T'as des crocs à ton âge. C'est abusé. Même moi, j'en ai, mais voilà quoi. Bonjour. Bonjour. Là, on a acheté des trucs, donc on va faire un haul bouffe. Hein. Donc ça s'appelle double mix, c'est des gaufrettes. C'est chocolat vanille. Très très bon, Yannick, t'en penses quoi? 15 sur 10. C'est une dinguerie. J'apprécie. C'est une dingue. C'est ça avec le café au lait, là. Incroyable. Bon, les amis, écoutez, on va passer la journée à la plage, dans l'eau, comme d'hab. C'est ça, on fait des vacances en Algérie. Viens à la plage. Regardez notre camping, déjà. Notre camping, c'est bien. Notre camping très très sympathique. Bon les gars, ça me plaît l'Algérien. J'aimerais bien vivre ici, mourir vieux ici, ouais c'est sympa. Et on a bien sûr notre ballon aussi. Juste pour pas qu'on nous le vole, c'est tout. Sika. Oui, je m'attends que tu l'abuses. Faites attention. C'est bon. Bon les gars, là on vous présente notre déjeuner. C'est fromage plus du pâté. Merci Célia. Oh j'en ai eu plus parce que je suis youtubeuse. Allez, cheers. Mais oui, je. Pourquoi? J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? On déçoit. A tes souhaits, A tes souhaits, ouais. J'aime pas. Nina, elle a fait du handball, donc elle est plus forte au handball. J'ai fait du handball pendant 7-8 ans. Et moi, je suis plus fort au football. Eh, hey, t'es musclé, toi. T'as fait du sport récemment. Trop nul. On s'est enfin décidé de quitter la plage, la terre ferme. Et là, on est sur un pédalo. Genre, c'est vraiment la meilleure activité à faire à Béjaïa. C'est ma copilote Radia. Regardez, il y a qui en haut. Et le H. Comment ça va? Le H. C'est un vlog. Belle montée. Les gars, je suis au-dessus. Regardez, ils sont tous en bas. Moi, je suis au-dessus du bail. Téma. Alors, vous voulez faire un pédalo tour? Bon, c'est petit, hein. Là, il n'y a rien. Là, il y a les deux copilotes. Hop là. En dessous, il y a un petit truc où tu te poses. Si je reviens pas vivant, dites à ma mère que je l'aime. Oh, quel homme. Salut beauté. Salut beauté, ça va? Tu veux plonger avec moi? Non, merci. Ok. Il y a mon petit cousin qui veut sauter. Axel, regarde-moi. Vas-y, Sika, jette-le. Oh, mais wesh, comment tu l'as jeté? Zéro respect. Zéro respect. Regardez, les gars, une méduse ici. Qu'est-ce que t'en penses, Nina? Ah, moi je suis sous le choc là qu'il y a des méduses. Bon, les gars, ici il y a plein de méduses. On va décaler. Allez, hissé à bâbord. Regardez comment c'est beau. Et toi, t'es la plus belle vue du monde. Oh, merci, ma vie. Mon frère est trop beau. Nina, assis à toi. Trop nul, y'a des méduses, Dina, Nina. Eh, ok. T'as trouvé cet individu dans la mer et il a voulu monter avec nous. C'est un petit... Eh, je me suis tellement gamelle, hein. Salut Yannick. Bonjour. Salut Radia. Salut. Yannick, on est d'accord, c'est le meilleur. De quoi? T'es le meilleur frère, t'es le meilleur cousin. Je sais. Ouais, t'es le meilleur des meilleurs. Merci. I know. J'avoue. Mais dommage, j'ai pas de meuf. Dommage, t'as pas de meuf. Bon les gars, on est en train de défaire notre campement. Hein. Comment s'est passée ta journée, Radia? Super. T'as kiffé? Grave. Yannick, t'as kiffé ta journée, toi? Non. Oh, ça, non. Ah oui, ta casquette Gucci a été cassée. Ah, trop le seum. Bon les gars, c'est la fin de notre journée plage. Là, on se casse. Ceux qui se demandent pourquoi on va pas mettre ça, mais ça, elle est punie. Donc moi, je parle pas. Et Aurélien, en fait, elle veut pas qu'on la voit en maillot. Dernier jour à Béjaïa, les gars. Je suis trop dégoûtée. Je suis restée 3 jours, je pense. Et là, je suis obligée de partir à Alger. Parce que je vais à Oran. Donc, il y aura 3 vlogs en Algérie. J'ai trop trop hâte. Ou même 4 avec l'anniversaire de Yannick. Avant de partir, je vais monter vite fait au Pic des Singes pour vous montrer, bah, du coup, mon endroit préféré à Béjaïa. Là, je suis chez moi. Et ce qui m'attriste le plus, c'est de plus me réveiller avec cette vue. Parce que tous les jours, je me réveille avec cette vue. Trop bien. Je prends mon café. Je me pose ici. Et j'ai cette vue. Nous avons le H. Le H, que fais-tu ici? Je suis fatigué, je me prépare un petit truc. Le H, il vient avec moi aussi, parce que vous allez voir le H dans mes vlogs. Je sais pas comment ça filme, c'est ma tante qui filme, donc si le cadrage est nul, je suis désolée. Je suis à la clim. Est-ce que je voulais monter ici pour vous montrer la vue? Avant, on faisait tout le temps des randonnées avec mes potes que vous avez vu, bah du coup Kamel, celui-là, Célia. On est monté plus haut, c'est archi beau. Franchement,
Béja, et pour tous les Algériens qui viennent en Algérie, même si vous n'êtes pas bougiote ou quoi, venez à Béjaïa, c'est trop trop bien. Genre, moi j'aime trop Béjaïa, vraiment, genre c'est trop cool. Franchement, j'aurais pas aimé grandir ailleurs, genre en Algérie. Ok, c'est bon, on va repartir. Hop, là je suis avec ma tante. Très sympa, très très sympa. C'est bon, on est arrivé au Pic des Singes, je vais vous montrer ça de loin. Je pense que vous avez dû voir ça dans mes anciens vlogs à Béjaïa. C'est mon endroit préféré ici parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est hyper méga beau. Là, j'ai avec ma tante, personne n'a voulu venir avec moi parce qu'il est super tôt. Donc, j'ai dit à ma tante, s'il te plaît, accompagne-moi. Elle m'a dit ok, elle dit ok à tout, elle est trop gentille. Le Pic des Singes, et en fait, on va devoir marcher tout ça. En vrai, ça va, c'est genre 10 minutes de marche, même pas, en vrai. Mais c'est super beau et ça vaut le coup, regardez. Genre là, on a la mer. En plus, c'est bien, c'est sympa, ils ont bien refait et tout. Les gars, regardez, il y a un coq, mais regardez, genre, c'est yep. Ils sont énormes. On est arrivé tout en haut du Pic des Singes et j'aime trop cet endroit, c'est vraiment mon endroit préf ever. Du coup, hop, on a cette petite vue et on a tout ça à marcher. En vrai, c'est moins de 10 minutes, donc ça va. Oh les gars, regardez, ma tante, elle vient de me passer à Colmons. Comment on dit ça? J'aime pas Colmons. C'est le fruit du Yannick, comment? Du dragon? Non, de Barbarie. Et les gars, c'est le meilleur fruit, enfin un des meilleurs fruits du monde. C'est incroyable. Merci tata, ça va être. Oh, trop bon. Bon les gars, on est au resto avec le H et on va manger. Ouais, j'ai une petite dalle là. En plus, il fait très chaud. Lina, regarde, elle a même pas commencé à manger, elle a déjà tout vu. Et les amis, je sais pas si vous connaissez Miranda Orange, incroyable, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est Fanta Fraise. Depuis que je suis arrivée ici, je répète ça. En canette en plus. Et ramenez ça en France, vous attendez quoi pour importer ça en France, wesh? Si moi je vais ramener ça en France, je vais devenir millionnaire. Viens, on importe ça et on devient millionnaire. Ramène-en. Allez, deal. Ramène-en 60. On va faire un trafic de Fanta Fraise. Ramène-en 60 caisses déjà pour allez. En fait, on pensait que notre vol était à 15h, mais finalement il est à 16h30. Monsieur Yannick va nous faire une dégustation des frites algériennes. J'avoue, les frites algériennes, j'aime pas trop. Moi j'aime bien. Non, moi j'aime pas trop parce que elles sont molles. Genre, moi j'aime bien quand c'est bien dur, je suis sec. J'aime bien quand bien. Et croustillante. Ça fait. On a bien reçu notre bouffe là. Moi je mange que du poulet. Comme vous savez, je ne mange pas de viande rouge depuis janvier 2017. Ça fait combien de temps? Hé, hey, t'es malade toi, avec tout ce que t'as là. Bah. C'est des brochettes de poulet. De poulet Ouais, ouais. Have a way with me like no one else, yeah, you. Almost make me fall in love, yeah, you. Got me hypnotized under your spell. I know I go home with you tonight.